Alors j'en viens maintenant à un point un petit peu d'érudition. Je ne vous espère pas trop fatigué parce que c'est l'endroit où je vais me faire un petit peu technique. Fraternitas, le latin, traduit un mot grec, Philadelphia. Même ceux qui ne savent pas le grec peuvent deviner de quoi il s'agit. Philos, c'est l'amitié, l'amour, philosophie, l'amour de la sagesse. Philatélie, c'est l'équivalent d'étain. Et alors, Adelphos, c'est le frère. Adelphos, c'est le frère. Et donc, le Philadelphia, c'est l'amitié pour un frère ou pour une sœur, alors au sens familial, mais aussi très vite au sens très large. Quand les Américains ont choisi de baptiser la ville de Philadelphie de cette façon, sous l'influence de religieux protestants en demeurant, parce qu'ils voulaient manifester justement cet amour fraternel les uns pour les autres. Alors, soyons précis, soyons techniques, Philadelphia désigne la fraternité comme vertu, c'est-à-dire que c'est le fait d'aimer les frères et sœurs, de s'aimer comme frères et sœurs, et c'est une expression que le grec du Nouveau Testament va utiliser. J'en ai relevé 6 occurrences en tout, mais uniquement dans l'épître de Pierre et puis dans certaines épîtres de Paul. Et c'est un mot qui préexistait, il existait dans la langue grecque classique des siècles précédents, il est normal que le christianisme utilise le langage disponible à l'époque pour dire justement cet amour des frères. Par exemple, je vous donne cette illustration de la première de Saint-Pierre, la première épître de Saint-Pierre. « Enfin, soyez tous dans de même disposition, compatissant, animés d'un amour fraternel. » Bon, c'est Philadelphie qui est écrit dans le texte. « Miséricordieux et humble. » Donc voilà comment on traduit dans nos textes cette Philadelphie que l'on trouve, comme je vous l'ai dit, 6 fois. Mais voilà le point d'érudition, voilà le point technique intéressant. C'est que fraternitas en latin, comme fraternité en français, en réalité, traduit 2 mots grecs différents. Très différents d'un autre. Enfin, très différents. On vient de lire, la fraternitas traduit la Philadelphia, l'amour fraternel, mais traduit aussi adelphotes, qui est cette fois-ci la communauté des frères. Alors, évidemment, la communauté des frères entraîne le fait qu'il va y avoir une vertu d'amour fraternel. Si nous sommes une communauté fraternelle, c'est que nous devons nous aimer comme des frères et sœurs. Mais adelphotes n'existe pas dans la langue profane grecque. C'est une création lexicale, un néologisme de la fin du 1er siècle. Et qui est-ce qui invente ce mot qui n'existe pas dans la langue profane? Eh bien, c'est la première épître de Pierre. C'est là. On invente un mot, alors qu'on n'en a pas à disposition, pour dire quoi? Pour dire que l'Église a comme autre nom d'elle-même la fraternité. Et même, je vais plus loin. Nous disons toujours Église. Nous disons Ecclesia, c'est-à-dire l'Assemblée. Mais le mot d'Ecclesia, le mot d'Assemblée, qui existe aussi bien qu'il existe en grec, c'est l'Assemblée de n'importe qui. Les assemblées civiles s'appellent des Ecclesia. Donc, nous sommes l'assemblée des chrétiens, disent les premiers chrétiens, donc nous sommes nous aussi une assemblée, nous sommes une église. Mais ce n'est pas ce mot-là qui va être préféré au 1er siècle et même au 2e siècle, et même au 3e siècle. C'est le mot adelphotes. Nous sommes la fraternité, nous sommes là. Adelphotes. Et comme il n'y avait pas de mot, ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé pour désigner précisément cette communauté. Autrement dit, la première signification du mot d'église, ce n'est pas le mot assemblée, comme nous le savons aujourd'hui, c'est le mot fraternité. Et alors, c'est là que c'est un peu dommage que la Bible de Jérusalem, par exemple, et même la TOB, la traduction commune de la Bible, lorsque elle présente les traductions de l'épître de Pierre, puisque c'est la première occurrence du mot d'hypothèse dans l'histoire de la langue, c'est dommage que elle n'ose pas traduire par ce qui est pourtant élémentaire pour n'importe quel exégète, fraternité. La Bible de Jérusalem, vous lisez le texte et vous ne comprenez rien à ce qu'il est écrit. Il faut se méfier des traductions. Donc il faut apprendre le grec. Mais la TOB, par contre, a l'honnêteté de vous faire une note en bas de page où ils expliquent exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le mot adelphotes signifie la fraternité. Mais eux-mêmes, eux, n'ont pas osé traduire par fraternité. Comme si on avait, je ne sais pas quoi, peur de cette origine, de cette source. Alors, tous les exégètes le savent.
Joseph Ratzinger, avant qu'il ne soit pape, avait écrit un article sur la fraternité, c'est très bien ça, mais il dit, de façon un peu imprudente, il dit « à partir du IIIe siècle, c'est plus le mot qui est utilisé ». C'est pas vrai. En réalité, c'est pendant 8 siècles qu'il a recopié un exégète protestant quand il a dit ça, il a pas tout vérifié. Et le résultat, c'est qu'on a oublié que pendant 8 siècles, alors si ça vous intéresse, j'ai une thèse de doctorat qui fait 800 pages, non, mais je n'ai lu que 600 premières pages parce que les autres ne sont pas encore publiées. Mais par contre, j'ai rencontré très souvent son auteur, c'est Michel Dujarrier, un prêtre spécialisé dans ces questions, et qui démontre que l'Église, jusqu'au 8e siècle, a choisi comme auto-désignation le mot adelphotes, le mot fraternitas, avec cette difficulté que le mot latin utilisé, évidemment, on ne savait plus très bien si ça traduisait adelphotes ou non. Après 8e siècle, il est vrai que l'Église ne se définit plus comme fraternitas. Il faut attendre le Concile Vatican II pour que, à nouveau, dans l'Lumen Gentium, on retrouve à deux reprises la mention de l'Église qui s'auto-intitule fraternité, renouant ainsi avec les origines. Alors je trouve que ce point que j'appelle d'érudition, qui demande un petit peu d'attention parce qu'on se met à manier du grec, du latin, et que c'est pas toujours évident, je crois que ça va beaucoup plus loin qu'une simple revendication cocorico des chrétiens pour dire c'est nous qui avons inventé la fraternité, c'est nous comme là. Mais c'est important de dire aux républicains, et c'est important aussi que les chrétiens le sachent pour ne pas avoir honte de leur histoire, même si une part importante de cette histoire n'est pas toujours évidemment à la hauteur de ce qu'il prétendait. Alors voilà cette traduction, qui cette fois-ci est la bonne traduction, le grec est derrière, honorez tous les hommes, quant à la fraternité, aimez-la, craignez Dieu. Amusez-vous à regarder 1 Pierre 2,17, et vous verrez dans votre Bible de Jérusalem ou dans votre Tobe que, hélas, ça n'est pas ainsi que c'est dit. Mais regardez le grec derrière et vous verrez que je ne vous montre pas. La fraternité, c'est évidemment la communauté à laquelle vous appartenez. Alors on va trouver adelphotes pour décrire les églises locales, mais très vite aussi, les pères de l'Église vont commencer à parler de fraternité comme église universelle. Alors, j'arrive bientôt au bout de mon exposé, mais justement, il y a un petit point un peu théologique. Je m'excuse, on a dit que ça mène un peu de théologie, mais on peut le faire un petit peu. Je le fais en m'appuyant sur un auteur parmi beaucoup d'autres, Bossuet, qui dit, mais au fond, le christianisme nous permet de comprendre la fraternité parce que, au fond, nous sommes tous frères dans la mesure où nous sommes tous enfants du même Père, du même Dieu. Et la chose est renforcée par le mythe d'Adam et Ève, par le mythe de la Genèse. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, donc nous sommes frères et sœurs. Donc l'image fonctionne ici. Dieu a établi la fraternité des hommes en les faisant tous naître d'un seul, qui pour cela est leur père commun, et portant lui-même l'image de la paternité de Dieu. J'ai choisi cette citation parce qu'elle rassemble justement en une seule phrase et la filiation dont les hommes sont issus, celle du père, mais celle d'Adam qui est elle-même à l'image de celle du Père. Voilà. Donc c'est évidemment une source incontestable, parce que quand on dit à des personnes non chrétiennes, mais quand vous parlez de fraternité, si de fraternité il s'agit, ça veut dire qu'il y a quand même une origine. Il faut bien que ça, pour être frère, même dans la République, on est frère parce qu'on est. Qu'est-ce qui nous fait frères et sœurs? C'est l'origine. Appelez-la comme vous la voulez, cette origine, mais vous ne pouvez pas gommer qu'elle existe. Et c'était une des raisons qui faisait que mes chers radicaux socialistes de la fin du XIXe siècle préféraient la solidarité, là, avec une belle image, vous voyez, du moteur avec toutes les parties qui se tiennent les unes les autres, plutôt que cette origine un peu curieuse, mais qui, en fait, qu'on le veuille ou non, venait du mythe biblique, qui venait également de la paternité divine dont les hommes étaient issus. Et puis, il y a un autre volet sur lequel je vais conclure, c'est celui du Christ frère, en me référant à l'Épître aux Romains, chapitre 8, où vous trouvez ces deux expressions. Nous sommes les co-héritiers du Christ, et les chrétiens sont la multitude des frères du premier-né. C'est pas rien sur le plan théologique, parce que co-héritier du Christ. Alors, co-héritier, il faut savoir que c'est un mot qui est emprunté au droit romain, qui avait des règles d'adoption assez différentes des nôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, l'adoption consiste à modifier la filiation, c'est-à-dire à permettre
à un enfant d'avoir des parents. Mais au temps des Romains, un frère pouvait adopter un camarade en disant « tu es mon frère ». Et ça voulait dire que ce frère adoptif allait hériter au même titre que celui qu'il avait adopté. Vous voyez, j'adopte mon frère, j'adopte Gilles, ça veut dire que quand j'hériterai, il aura la moitié de ma part au moment de l'héritage. Co-héritier, voilà le sens juridique du mot. Et c'est le mot que saint Paul va utiliser pour dire que nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire que le Christ nous a adoptés comme frères. Alors ça permet de lire l'incarnation encore plus fortement que le fait que Dieu s'est fait homme, s'est fait l'un d'entre nous. Ça permet de dire que non seulement il s'est fait l'un d'entre nous, mais il s'est fait le frère de chacun d'entre nous. Alors, je pense qu'il y a des débats théologiques qui étaient assez intéressants au moment du... Ça s'est fait dans le 3e, 4e siècle, cette élaboration de la théologie du Christ-frère. On était en plein combat, en plein débat sur la Trinité, est-ce que les personnes sont égales les unes par rapport aux autres. Attention, si le Christ est vraiment le Fils du Père, disaient les uns, ça veut dire qu'il n'est pas de même nature, de même substance que le Père. Mais alors, s'ils sont vraiment égaux, ça veut dire qu'ils sont frères. Alors, comment peut-on dire que le Christ est à la fois le Fils et en même temps le frère de son Père? Je ne vous passe pas, c'est passionnant. Quand je me lance là-dedans, je suis intéressant parce que je trouve que les controverses théologiques sur la Trinité sont un bonheur intellectuel dont on peut se régaler, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, et finalement, bon, on a laissé protection, mais finalement, on peut parler de fraternité divine, ça ne marche pas. Par contre, puisque le Christ est à la fois Dieu, laissons la fraternité là, elle ne fonctionne pas, mais puisqu'il s'est fait homme, en tant qu'homme, il s'est fait le frère des hommes. C'est ça qui est clairement indiqué, co-héritier du Christ. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'expression de Saint-Paul. Et donc, pour reprendre une autre expression, il y en a d'autres, du coup, nous sommes la multitude des frères du premier-né. C'est ça la théologie du Christ-frère. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait qu'il a épousé l'humanité, mais qu'il a voulu être notre frère, c'est-à-dire exactement au même niveau, au même endroit. Et donc, sur le plan de l'Église, c'est la même chose. Voilà la formule que l'on trouve chez certains pères de l'Église. La fraternité en Christ, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? C'est rien d'autre que cette fraternité qui passe par le fait que nous nous reconnaissons frères du Christ. Là où est l'Église de Dieu, là est la fraternité de Christ. C'est un évêque pas connu dans l'histoire, mais qui a cette formule. C'est un évêque du 4e siècle, si vous voulez voir. Qui de Botra, qui est une ville qui se trouve tout près de Damas, en fait. Et cette formule résume bien la théologie, je crois, du Christ-frère. Alors, j'ai plus le temps, je triche sur l'heure, mais donc j'arrête. Mais pour dire simplement, du côté philosophique, on peut trouver un écho aussi en disant, mais si ce n'est pas religieux l'origine, ben, nous sommes tous quand même de la même nature, et du même coup, nous pouvons arriver au même résultat. Je citais ici la ville Montaigne, la poétique, nous sommes tous frères, nous avons tous la même nature. Sans se référer nécessairement. Un petit mot, filiation et politique, quand on chante la Marseillaise, allons enfants de la patrie, c'est une filiation aussi, nous sommes de qui nous sommes. Pour être frères, il faut bien qu'ils apprennent quelque chose. Et là, on est les enfants de la patrie. La patrie, vous savez, ça veut dire le père, hein, pater, patrice, hein, même si c'est en réalité féminin. Les enfants de la patrie, mon frère, bon, j'insiste pas, parce que je ne veux pas tricher sur le temps. Je cite ici un texte de l'encyclopédie de Diderot. C'est une mère qui chérit ses enfants. C'est bien une affaire de filiation. Donc, en conclusion, l'affirmation révolutionnaire de la fraternité ne renvoie nullement, dans un premier temps en tout cas, à l'énoncé pur et simple d'une vertu. Ça, c'est la Philadelphia, d'un devoir, d'un sentiment ou encore d'un principe. Elle renvoie bien plutôt à l'énoncé d'un état ou d'une situation, c'est moi qui parle pour rassembler tout ce que j'essayais de dire. Nous sommes frères parce qu'ayant conquis la liberté et l'égalité, nous avons acquis par là une patrie,
Et là, cette fois-ci, je me suis un peu trompé, c'est l'historien qui finit la citation que je vous ai donnée, c'est l'historien Michel Barbuto, qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur spécialiste de la réflexion sur les origines républicaines de la devise française. Vous pouvez trouver en que sais-je, tout simplement, cette analyse. Voilà. Alors, je ne vous ai pas parlé du tout des frères et sœurs dans une famille, alors que vous l'attendiez peut-être, mais en réalité, ce n'est pas une métaphore très très utile, ni très utilisée. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, dans la Bible, ce n'est pas terrible les rapports entre frères et sœurs, ça commence mal avec Adam et Ève, ça continue mal avec Joseph, etc., etc. Et puis, dans l'Évangile lui-même, ce n'est pas vraiment non plus ce qui est dit, et même, ce n'est pas la famille au sens du sang qui est valorisé, c'est vraiment la fraternité tout de suite donnée à son haut niveau, jusqu'à cette parole sur la croix où Jésus dit à sa mère qu'elle a des frères. Hein, donc vous voyez bien que ce n'est pas la métaphore familialiste qui va servir de repérage, donc j'ai fait exprès de ne pas en parler. Mais il y avait un petit dessin pour conclure qui permettait de voir un petit peu les choses d'une façon un peu humoristique. Voilà, je suis un peu avec le temps. Donc on a le temps d'échanger un petit peu. Alors je crois que les organisateurs ont prévu un dispositif. Un petit dispositif, voilà. Tout ça. Merci.